Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler d'une information sur Call of Duty Cold War Zombie et Warzone. Parce que apparemment il y aurait un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode Outbreak de Warzone qui arriverait sur Call of Duty Warzone. Mais ce mode de jeu serait un mode zombie qui vient directement du mode de jeu Cold War de Treyarch. Donc apparemment ce serait un open world, donc ce serait carrément un monde ouvert, mais uniquement de zombies. Alors franchement quand j'ai vu ça, ça m'a hypé de ouf, parce que je vous avoue que Fire by the Z m'a bien hypé et m'a bien remis dans le mode zombie, franchement je tryhard de ouf. Mais là je commence déjà à tourner en rond sur la map, donc j'aimerais bien un peu de nouveauté. Et là, s'ils nous sortent un nouveau mode zombie ouvert sur le mode Warzone, mais complètement un mode zombie ouvert, genre, je sais pas moi, à la Days Gone... Franchement, ce serait carrément incroyable. En plus, apparemment, il y aura des exfiltrations, il y aura des zombies élites, il y aura des zombies normaux, il y aura de tout, quoi. Mais franchement, je vous assure qu'ils ont trouvé ça dans les codes sources du jeu, que ce n'est pas qu'une seule rumeur. Peut-être qu'il ne sortira pas à le mode de jeu, mais en tous les cas, c'est dans les codes sources du jeu et ils sont en train de travailler dessus. Alors, bien entendu, je ne pense pas qu'il sortira pour la nouvelle saison 2 de Warzone, même si je kifferais. Franchement, il reste combien de jours avant la saison 2? Attendez, je regarde. Il reste 12 jours et 19 heures, donc franchement, je serais trop hypé si à la saison 2 de Warzone, on puisse avoir un nouveau mode de jeu de zombies. Franchement, ce serait trop oufissime. Mais bon, je pense que le jeu n'est pas encore assez au point pour nous le sortir maintenant. Donc, je pense qu'il sortira peut-être saison 3. Voire peut-être même saison 4, parce que là franchement ça a l'air d'être un gros truc hein. C'est du jamais vu, on a déjà vu sur Blackout, donc Call of Duty Black Ops 4. Donc c'est une sorte de Warzone sur Black Ops 4. Et en fait dans ce Battle Royale sur Black Ops 4, eh bien il y avait des zombies, mais à certaines zones. Là franchement le mode de jeu c'est pas un mode Battle Royale, c'est vraiment un mode zombie uniquement pour le zombie. C'est un monde ouvert mais qu'avec des zombies, à la mode Treyarch. Et franchement, je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont nous faire là. Et je pense que ça pourrait donner vraiment un bon coup de boost aux zombies. Et ça pourrait vraiment refaire vivre le zombie comme à l'ancienne. Après, je m'emballe peut-être un peu, mais bah voilà, je suis impatient. Alors là, je vais vous montrer ce qu'a découvert un joueur sur la map Warzone à l'hôpital. Il a découvert une sorte de machine qui pouvait activer et désactiver des zombies. Alors, je ne sais pas si c'est un teaser ou si c'est un fail de la part de Call of Duty qui l'aurait mis prématurément. Mais je pense plus que c'est un teaser parce que l'hôpital, logiquement, à la saison 2, il sera peut-être plus là. Parce que normalement, la map, elle change. À la saison 2, nous avons une nouvelle map sur Warzone. Donc logiquement, s'il travaille sur un open world en mode zombie, ce sera pas sur la map Verdansk, mais sur une nouvelle map. Donc je ne vois pas pourquoi il l'aurait ajouté prématurément. Mais en tous les cas, il est apparu quelque chose sur la map où on pouvait activer et désactiver les zombies. Donc ça renforce encore l'hypothèse que bientôt, on aura un mode ouvert en zombie. Alors je sais pas si ça vous hype de ouf, mais moi je suis complètement surexcité, j'attends que ça, j'attends des news. Donc bien entendu, quand j'aurai plus de news, j'essaierai de vous les faire parvenir le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, de toutes ces informations en commentaire, ça m'intéresserait. Et peut-être que vous avez des informations supplémentaires, donc n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.